capsule d'auto-formation au programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. Capsule 1, le programme PIPNPE. J'espère que votre rentrée s'est bien déroulée. Prenons le temps de mieux nous connaître en virtuel. Qui êtes-vous? Cliquez sur pause et scannez le code QR avec votre tablette. Ensuite, allez-y. Clavardez en vous présentant, présentez votre niveau, vos forces, vos émotions à travers ce Padlet. C'est peut-être le début d'une rencontre de collaboration, de soutien pour aborder cette année en toute solidarité. Cette année, le programme PIPNPE accueillera l'ensemble des enseignantes et enseignants débutants. Que vous soyez qualifié ou non, long terme ou court terme, vous pouvez participer à cette formation et bénéficier d'un accompagnement. Regardons ensemble les réponses au sondage envoyé. Vous êtes une majorité d'enseignants du primaire moyen. Il y a également un bon groupe au préscolaire. Un certain nombre d'entre vous enseignent des niveaux doubles. C'est un beau défi. Que cela soit votre première ou deuxième carrière, que vous soyez passionné d'art, de sport, de cuisine ou de voyage, vous êtes unique et exceptionnel. Vous allez apporter à vos élèves toute votre expérience, partager votre savoir-faire et vos connaissances. Même en virtuel, soyez vous-même. Transpercez l'écran. Vous êtes entre de bonnes mains avec des formations et un accompagnement sur mesure. Soyez confiants. Qu'est-ce que le PIPNPE? Le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant est la deuxième étape de formation et il est obligatoire. C'est un programme d'apprentissage professionnel continu à l'intention des nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes. Il offre un soutien professionnel permettant au nouveau personnel de développer des habiletés et des connaissances pour devenir des enseignantes et des enseignants efficaces en Ontario. Plus que jamais, le bien-être et l'apprentissage de l'élève guident les quatre objectifs fondamentaux du PIPNPE. Du point de vue de l'enseignant ou l'enseignante débutante, ces quatre éléments guideront vos pratiques professionnelles. La confiance, répétez-vous, j'en suis capable, je dispose du soutien nécessaire pour être un enseignant ou une enseignante efficace. L'efficacité, réalisez que vos enseignements font une différence dans la vie et l'apprentissage de chaque élève. La méthode pédagogique, évaluez, dressez votre profil de classe, outillez-vous. Vous serez en mesure de répondre aux divers besoins d'apprentissage de vos élèves grâce à une gamme de méthodes pédagogiques efficaces. Enfin, l'engagement à l'égard de l'apprentissage continu. Prenez un chapeau d'apprenant. Continuez à apprendre et à vous épanouir en tant que professionnel, en collaboration avec les personnes qui vous entourent. Nous sommes dans une période incertaine. Cette rentrée a été exceptionnelle. Et plus que jamais, nous devons nous connecter avec nos élèves et travailler en équipe. Faire preuve d'entraide, même à distance. Tel que vu dans la capsule précédente de présentation du Conseil scolaire Viamonde, les éléments d'insertion qui sont l'orientation, le mentorat, l'apprentissage professionnel continu et l'évaluation offre un réseau de mesures de soutien personnalisé pour le nouveau personnel enseignant et appuie directement les objectifs principaux du PIPNPE. Comme mentionné plus tôt, le bien-être et l'amélioration de l'apprentissage des élèves est l'objectif ultime du programme d'insertion. L'orientation. La capsule précédente vous a introduit aux valeurs et à la vision du Conseil scolaire Viamonde. Elles sont les vecteurs des actions du personnel du Conseil. Viamonde offre un enseignement laïque qui s'appuie sur des valeurs humanistes de tolérance et de respect des différences. Par conséquent, chaque jour, nos enseignants et enseignantes font bien plus qu'enseigner des connaissances. Ils forment des esprits humanistes au jugement éclairé. Une deuxième partie d'orientation vous sera présentée par les ressources humaines, l'AEFO et le Centre de ressources pédagogiques sous la forme de capsules. Le deuxième volet d'insertion est le mentorat. Un mentor vous a été ou vous sera jumelé par votre direction. En ce début de carrière, il est important de construire non pas un, mais plusieurs réseaux de mentorat et de collaboration. Les nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants ayant connu un bon épanouissement avaient eu accès à 5, 6, voire 7 outils de mentorat, selon une recherche longitudinale sur le PIPNPE.
En d'autres mots, ils avaient bâti un réseau de mentorat qui offrait des possibilités d'épanouissement personnalisé avec le soutien de multiples mentors. Tout d'abord, en observant leurs élèves, leurs commentaires, réactions, en recherchant leurs points forts et en tissant des liens. Chaque réseau est unique, car fondé sur des besoins d'apprentissage authentiques particuliers. Plus les fils du réseau sont nombreux, plus ils sont robustes. L'une des choses les plus utiles que puissent faire les mentors est d'aider une nouvelle enseignante ou un nouvel enseignant à se créer un réseau favorisant les liens avec les collègues, les administrateurs et les autres mentors. Les réseaux sociaux sont aussi une autre forme de mentorat, plus informelle. Des groupes de partage, des initiatives ou encore des ressources sont une manière d'apprendre et d'observer les méthodes au-delà des frontières de votre école. Et qui sait ? Vous deviendrez probablement mentor et sans doute producteur de contenu au service de la pédagogie. Le troisième volet, l'évaluation. C'est le rôle de la direction. Elle communiquera avec vous à ce sujet. Le personnel enseignant agréé par l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario, embauché à un poste permanent, à temps plein ou à temps partiel, a l'obligation de participer au programme. Et le succès au programme figurera sur sa carte de profil de l'Ordre des enseignants. La direction évaluera lors de ses observations ces trois compétences et vous offrira une rétroaction pour l'amélioration continue de l'exercice de vos fonctions. Une copie du rapport d'évaluation a été placée dans l'équipe Teams PI-PNPE 2020-2021. Dans le contexte actuel, une nouvelle offre de formation novatrice centrée sur les besoins spécifiques des PI-PNPE a été mise en place par les services pédagogiques. Pour vous appuyer, des capsules d'auto-formation, comme celle que vous écoutez en ce moment, et un accompagnement des services pédagogiques, pour vous appuyer en plus de votre mentor. Une équipe de collaboration et de partage sur Teams accueillera l'ensemble de vos questions et commentaires sur le programme. Le quatrième volet, et non des moindres, l'apprentissage professionnel continu. Dans ce volet, l'enseignante et l'enseignant comprend qu'il chemine tout au long de sa carrière pour l'amélioration continue de sa pratique au service des élèves. Il améliorera en permanence sa pratique pour répondre à l'évolution socio-économique du monde actuel. C'est ici que votre croissance professionnelle débute. Tout au long de cette année, grâce aux capsules d'auto-formation et la collaboration de l'ensemble de votre réseau, vous développerez vos compétences. Un tableau de compilation de la croissance des compétences du personnel PI-PNPE a été réalisé par les services pédagogiques. Une copie de ce tableau a été placée dans votre équipe Teams PI-PNPE 2020-2021. Voici l'ensemble des champs de compétences que vous allez améliorer. Tout d'abord en communication. Vous allez améliorer votre communication en développant des stratégies axées sur une communication continue avec les parents, ce qui incitera les parents et les familles à vous aider dans l'apprentissage de leur enfant à la maison et à l'école, mais aussi dans la rédaction des bulletins, ainsi que dans la communication avec vos collègues et autres membres du personnel. Cette année, vous découvrirez que la planification et l'évaluation ont une relation d'interdépendance et ont pour objectif l'amélioration continue de l'apprentissage de l'élève. Tous ces termes vous semblent distincts. En fin d'année, vous serez en mesure de planifier vos leçons et activités en prenant compte de l'ensemble de ces éléments. Vous développerez vos stratégies pédagogiques en incluant les compétences globales dans l'ensemble de vos enseignements. Vous verrez que l'ensemble de ces éléments sont ainsi étroitement liés et vous serez en mesure de les inclure dans vos planifications. Écune, gestion de classe efficace donnera un cadre de sécurité et de bien-être à vos élèves, afin qu'ils développent leur plein potentiel dans cet environnement. Enfin, vous mettrez en application les priorités provinciales en prenant connaissance des programmes du ministère pour soutenir ces priorités. Des capsules d'auto-formation vous seront présentées sur la politique d'aménagement linguistique en Ontario ainsi que sur les perspectives autochtones. Participez avec vos élèves aux événements qui témoignent de votre engagement envers ces priorités. Le 25 septembre prochain, nous célébrerons la journée du drapeau franco-ontarien. Habillez-vous en vert et blanc et encouragez vos élèves à être fiers de leur langue et de leur culture. Ainsi que le 30 septembre prochain, portez un chandail orange pour commémorer les enfants ayant dû vivre dans des pensionnats autochtones,
partager des lectures, des activités, des vidéos afin que chaque enfant soit pris en considération. Votre classe et votre école regorgent d'outils technologiques. Intégrez-les à votre planification. Que ce soit par le partage d'un document collaboratif du genre Word Online ou PowerPoint ou par l'intégration d'une activité d'apprentissage hybride ou simplement en permettant aux élèves d'utiliser la variété des possibilités du numérique pour remettre leurs travaux, l'important c'est de se lancer et de faire confiance aux élèves. En adoptant une posture d'apprenant, l'enseignante et l'enseignant démontrent à ses élèves l'importance d'être ouvert aux nouvelles possibilités, lâcher prise et se propulser à la découverte de nouvelles technologies, en collaboration avec vos élèves. C'est accueillir le changement pour évoluer. Les élèves démontreront de la motivation lorsqu'ils seront confrontés à des défis technologiques. En suivant le modèle de l'enseignant, ils apprendront à collaborer entre eux, discuter des solutions possibles, faire des essais, planifier les prochaines étapes, expliquer des procédures ou des concepts, faire preuve de pensée critique et écouter les idées des autres. Ce sont toutes des compétences que nous souhaitons encourager chez nos élèves, n'est-ce pas? Enfin, vous n'êtes pas seul. Encore une fois, il y a tout un réseau d'appui et de collaboration autour de vous. Allez-y, visitez Aide Pédago, écoutez toute la classe, continuez à développer votre réseau d'apprentissage, lisez les bulletins d'information des services pédagogiques. Tous ces éléments sont là pour vous appuyer. Un autre réseau d'appui a été mis en place pour vous par le ministère. Moi j'enseigne est une plateforme d'accompagnement virtuel du personnel enseignant des écoles de langue française de l'Ontario. Contactez-les après les heures de travail. Ils répondront en direct à vos questions, que vous soyez enseignant en salle de classe ou suppléant. Leur objectif est de prendre soin de vous et de vous aider. Dans notre équipe team, un lien direct sur la plateforme de contact a été ajouté. Vous n'avez plus qu'à sélectionner votre conseil et les contacter. Enfin, encore une fois, n'oubliez pas d'aller visiter l'EAV. C'est une mine d'or d'activités à inclure dans vos planifications. Dans l'onglet à droite, Mes outils Viamonde, vous aurez accès à l'environnement d'apprentissage virtuel de Viamonde. Un ensemble d'outils et de ressources pédagogiques, ainsi que des liens vers des sites éducatifs sont rassemblés dans cet environnement d'apprentissage. Il est destiné à la fois aux enseignants et aux élèves. Dans l'onglet Pupitre pédagogique virtuel, vous retrouverez un ensemble de ressources pour ce début d'année, ainsi que des formations et des guides pour aborder cette année du bon pied. On est là pour répondre à vos questions. Merci pour vos questions lors du sondage envoyé au pays PNPE. Première question. Je vais demander à une enseignante dans mon école que j'ai en vue pour voir si elle peut être mon mentor. En cas d'indisponibilité de cette personne, pourriez-vous me suggérer un ou une enseignante au niveau de mon école? Alors c'est ta direction qui est responsable de trouver une ou un mentor. Mais tu as une belle initiative. Si tu es entré en contact avec cette enseignante, communique ta volonté de l'avoir comme mentor. Ta motivation sera grandement appréciée. Prochaine question. J'ai besoin en plus d'un appui en évaluation. Alors M, en ce début d'année, je te recommande d'aller visiter le pupitre pédagogique virtuel et la trousse Bon Départ. Elle contient des activités diagnostiques ainsi que des grilles de compilation pour les résultats. Tu pourras dresser ton profil de classe et planifier tes leçons et évaluations. Une capsule te sera offerte à ce sujet. Suivant, durant l'enseignement virtuel de mars à juin, plusieurs formations en ligne qui présentaient des outils d'enseignement technologique étaient présentées, mais pas enregistrées. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à toutes ces formations aussi intéressantes les unes que les autres. Je me demandais s'il était possible de les offrir encore une fois. Ah, alors si tu vas dans la chaîne Aide Pédago sur YouTube, toute la classe recommande offre de tutoriels sur certains outils présentés lors des formations, comme Padlet, Book Creator, Flipgrid, entre autres. Et si vous avez des questions concernant ces outils, vous pouvez contacter Aide Pédago ou poser la question à votre accompagnateur ou mentor. Dernière question. Comment puis-je joindre la communauté et m'inscrire à la formation obligatoire? Dois-je attendre une invitation formelle ou est-ce moi de faire le premier pas? Si oui, que dois-je faire? Alors D, bienvenue, tu seras ajouté à la communauté PIPNPE par les services pédagogiques et tu n'as pas besoin de t'inscrire. Mais la participation aux 4 volets est obligatoire et te permettra d'apprendre. C'est la fin de la capsule. Avez-vous des questions? Notez-les et discutez-en avec votre accompagnateur ou votre accompagnatrice. Vous pouvez aussi poser vos questions sur la Keep Team PIPNPE, je serai là pour vous répondre.
La prochaine capsule d'auto-formation sera sur le bon départ et le profil de classe. En attendant, continuez à suivre l'hashtag PIPNPE-CSV sur Twitter pour en connaître davantage sur les nouveautés du PIPNPE.